C'est Macron. Mais jure. Mais jure, c'est Macron. Non, pas lui, sérieux. Oh putain. Oh putain, non. Oh putain, non, pas lui. Oh, même pas. Oh là là. Macron, là. Oh putain. Oh putain. Oh là 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 là, Manu. Oh putain, de te voir là, tu sais pas savoir ce que ça me fait, ma vie. Tu peux pas savoir ce que ça me fait de te voir là. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Oh, tu peux pas savoir. Regarde qui c'est que j'ai à côté de moi. Regarde qui c'est que j'ai à côté de moi. C'est la probabilité. Oh là là, putain de putain, regarde ça. Regarde ça. Moi, moi, putain. Regarde. Hey, attends. Regarde. Regarde, putain. Regarde qui est là derrière moi, putain. Oh putain. Faut que je me calme. Je suis dans un putain d'état de nerf, t'as même pas idée. Il est à 3 mètres derrière moi. Je voyais au loin, je me dis pas que c'est lui. Hey, jamais de ma vie j'aurais cru vivre un moment pareil dans ma vie. Jamais. Je peux me noyer devant là. Putain, c'est pas vrai quoi. J'avais dit que ça allait être une journée de merde. Je le savais. Regarde. Regarde. T'as vu, il a le sourire. Il a le sourire. Eh, hey, partagez, partagez là. Regarde. 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 Tu le vois ou pas? Regarde. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. C'est pas possible, ça m'arrive à moi. Regarde. Brigitte, elle est là. Incroyable. Ah, je vais pas y faire de mal, hein. T'inquiète pas, hein. Non, non, mais j'ai même pas envie de lui faire mal. Je lui ferai du mal en 2022 avec mon butin, moi. C'est un truc de malade de le voir là, je te jure, c'est un truc de malade. Putain, on est descendu, on savait pas. On savait pas où on voulait descendre. On savait pas où on voulait descendre. On est descendu à l'arrêt là, comme ça, et on tombe sur qui, putain? Regarde. La bête noire. Hey. Mais la Manu. Démission Macron. Démission Macron. C'est incroyable. Démission Macron. C'est incroyable. Macron. C'est incroyable. Macron. Démission. Regarde, il est là, regarde, regarde. Démission. Allez, venez en parler. Un bon 14 juillet. Putain. Oh putain, putain. Il y a une démocratie. Mais tu vas virer. Tu vas virer. Tu vas virer. Tu vas virer, ma parole. Tu vas virer. Tu vas virer. Tu vas virer. Ouh. Hey, il est trop grand pour toi, ton blouson. Oh putain. Oh putain, putain. Putain, c'est pas possible. On est là, même si Macron ne veut pas nous amener. Regarde, regarde. Regarde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je m'en fous, je le suis. Putain, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Eh, partagez, hein, partagez le live. Hein. Regarde qui j'ai devant moi. À 3 mètres devant moi. Je vous jure, c'est le vrai. Je vous jure, c'est le vrai. Démission. Non, mais il est sérieux. Dictature. Attends, il a un ami. Il a un ami. Attends, il a un ami. Oh là là. Il a un ami Facebook. Je te jure. Oh putain. 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 Oh putain.
Monsieur le Président, virez la brave. Arrêtez avec la brave, sérieux. Arrêtez avec la brave. Virez la brave, Monsieur le Président. Virez la brave. Virez la brave, ils nous font mal. Il a été réprimé. Pourquoi vous avez remis la brave? Pourquoi vous avez fait ça? C'est pas le Président de la République qui fait ça. Virez-les, vous avez le pouvoir. Arrêtez avec la brave. On n'en veut plus. Moi, je veux faire face à tout le monde, même à vous, mais pas à eux. Mais soyez cool. On n'en peut plus, ça fait 18 mois qu'on est cool. Ça fait 18 mois qu'on est cool. Virez la brave déjà. Virez la brave déjà. Il a l'habitude. C'est des violences, c'est les pires violences. Mais non, mais les mecs, c'est parce qu'il y en a chez vous qui sont. Non, c'est tous, monsieur le président. C'est tous. En police, c'est le bordel. Arrêtez la brave. Je vous jure, arrêtez la brave. On en reparle après. Si vous voulez, virez la brave. Arrêtez de crier. J'ai beaucoup de mal avec eux. On est venu par hasard et on vous a. Non, mais en général, Eh, moi je vous le dis, enlevez-les, déjà ça, enlevez-les dans les manifs, et vous verrez que ça ira déjà mieux. Non mais déjà ça, déjà ça. Ils sont irrespectueux. Mais monsieur le président, je suis plus vieux que vous. D'accord. Et vous croyez que je fous le bordel dans les manifs? Vous croyez que je fous le bordel dans les manifs? Je me balade avec mon épouse, vous m'interpellez. Mais bah, c'est normal. Mais non, vous êtes mon employé, monsieur le président. Vous êtes mon employé, monsieur le président. On est un jour férié, je me balade, je suis respectueux. Et on est respectueux. Moi, je vous ai pas manqué de respect. En tout cas, pas aujourd'hui. Demain. Votre ministre de l'Intérieur, là, le nouveau, là. Parlez-lui, dites-lui qu'il arrête avec ça. Reprenez les motos. Vous enlevez les motos. Vous enlevez les motos de ce gars-là. Vous les mettez dans un centre pour les. Un peu. Qui reprennent un peu conscience de leur métier. Vous n'allez pas m'en mettre tous les samedis. Les non, gars. Mais non. Vous arrêtez déjà avec eux, les manifs, ça ira mieux. Parce que les gens, ils en ont marre, les samedis. Oui, on en a marre. Croyez, sauf qu'on n'est pas samedi. Vous répondez à moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens aussi, il y a des commerçants, les forains, tout ça, demandez-leur. On le sait, monsieur le président, mais vous savez qu'il y a des problèmes. Vous savez qu'il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas. Mais on n'est pas comme ça. Mais non, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont. Je parle au président de la République. Même moi, je ne crois pas. De gouvernement avec un ministre de l'Intérieur. Le président Dieu. Non, mais reste tranquille. Vrai ou faux, c'est pour cela. Mais vous n'êtes pas juge, moi non plus. Reste tranquille. Reste tranquille. Regarde, il est là. Reste tranquille. Ça va. J'entends ce que vous me dites pour baisser les choses, mais pour que vous vous engagiez tous aussi à ce que ça baisse. Voyez, qu'on soit cool. Franchement, si tout le monde est cool, il n'y aura pas de problème. Je suis en train de faire le buzz avec le président de la République sur mon live. Ah mais ça fait 18 mois que je suis là. Nous là, on a respiré du gaz à mort il y a une heure. Ah oui, enfin, à mort. Et c'est encore les mêmes. Moi, j'ai fait des grands débats. Je suis prêt à écouter les gens. J'ai dit, je suis prêt. Je vais voir une délégation avec une dame que j'ai croisée. Je suis prêt à entendre les revendications. Il y en a, je peux être d'accord, d'autres pas d'accord. J'ai un mandat. Bon. Après. Rien ne justifie, en effet, que ça monte dans les tours comme ça monte dans les tours. Non, parce que, attendez, on va pas inverser les choses. Pourquoi la police s'est mise là? Parce que vous n'avez pas fait que manifester. Ça a cassé massivement. Pas aujourd'hui, hein. Non, pas aujourd'hui, mais vous me dites les braves en général. Mais eux, ils sont là. Mais parce que vous cassez, si vous cassez. Mais t'es malade, pourquoi tu dis ça? Les CRS ont été avancés pour ça, parce que vous avez cassé. Vous avez demandé mandat. Donc les CRS sont créés pour taper. Sans match à l'heure, c'est pas tapé. C'est la vérité. Tout le monde va pas cool. Un pote à vous, lui. Je sais pas. Si, bah oui. Mais c'est un peu ta personne, moi je vois juste les choses. Ouais, tu vois rien alors, tu vas pas dans les manifs. Viens en manif, pas dans les manifs. Tu verras, on est tout seul avec vos bêtises. Attendez, monsieur Macron, j'ai une question. Non, je vais devoir y aller. Mais il y en a, il y a les principales, comme le pouvoir d'achat, la justice fiscale. Sociale. Quand on voit par exemple qu'un gilet jaune dernièrement, un handicapé, et je l'ai lu sur les réseaux sociaux, mais je sais que c'est vrai, c'est pas de la... qui a été condamné à 6 mois de prison pour avoir jeté 3 cailloux ou avoir écrit à la craie au détail.
et quand on voit monsieur Balkany danser à la fête de la musique, qui a détourné des millions. Nous, ouais, non, mais vous comprenez notre colère, la colère du peuple, des gens il a le droit de danser pas sans. C'est sérieux quand tu dis ça. Mais sans déconner. Défends-le, mais défends-le pas comme ça, bordel. Balkany, il a le droit de danser en vrai. En prison, il a le droit de danser, frère. Il a le droit de danser derrière, quoi. Le sentiment d'injustice, moi, je l'entends. Il y a beaucoup de choses comme ça. Non, mais on sort à peine du coronavirus et on entend parler de la réforme des retraites juste derrière. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Le Premier ministre, il veut pas se calmer un peu? Mais non, on va tous se calmer. Après, il y a des gens qui sont aussi responsables. Vous oubliez de parler d'une chose, on a mis 8 milliards sur la table pour les soins. Ah mais il n'y a rien à dire pour ça. Ouais mais c'est pas assez. Je suis pas sûr. Le monde de pas assez. Oui, mais non. En tout cas, moi je vous entends. J'ai entendu ce que vous avez demandé. Je demande un engagement, c'est aussi de toute moule. Pas de violence, pas d'invective, pas de... Non, sinon on s'en sort pas. Ah c'est dur. C'est dur. C'est une chaîne d'enfants. Il faut que chacun mette un peu du sien. Ok. Retournez me balader. Merci, merci d'avoir pris franchement respect. Parce que je vote pas pour vous, contre vous, mais je vous respecte en tant que. Dur. J'arrive même pas à le maudire là, c'est un truc qui me dégoûte, quoi. C'est dur, j'arrive même pas à le maudire. Moi je vais pour vous, tant mieux. Non, bah moi je vais. Voilà, voilà. Mais j'y arrive même pas. Putain! Il a du talent quand même, l'autre. Putain, hein. Il a du talent, hein. Il t'endort. T'as vu comment il parle, il y arrive, quoi. Il n'y a pas trop comme ça. Il fait le mec tout cool, alors que c'est une dictature. C'est où? Je peux pas. On y va? Attends, il y a Manu qui est là. Mais on s'en va les couilles. Il y a des gens qui arrivent, il y a des GG qui arrivent. Vous pouvez essayer de le maintenir, il y a des GG qui arrivent. Mais ça sert à rien. Waouh, putain. Imagine les gens qui. Là, on a pu lui parler, là, au gars. Il nous a quand même écouté. Oui, on peut pas lui enlever ça. Il nous a écouté, mais... C'est miraculeux d'être tombé dessus, là. Moi, je l'ai vu, j'ai tourné la tête. Il y a Brigitte, elle est là-bas, regarde. Encore des gens comme ça. Alors là, bah mes amis, j'avais dit que c'était une journée bizarre. Vraiment. Bah, je m'attendais à tout, hein. À tout, sauf à ça. Face à ma... Il m'a parlé à moi. Je sais même pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. J'étais en train de dire ma condition, il vient me parler. Putain, mais c'est un truc de fou. Il est là, regarde, il est là, il s'en va. Il retourne voir Brigitte qui est là-bas. L'hélico qui tourne là-bas. C'est incroyable. Ah là, il s'en va. Je le voyais de loin. Alors, regarde, attends, on va le laisser partir. Oh, oh, il va falloir que je me calme. Moi, il faut de l'eau là. Putain. On vient, on va au champ. Voilà, là, maintenant, je vais s'occuper. Journée marquée d'une pierre blanche. Allez, pas de l'avoir vu là parce que franchement, on m'en fout quoi. Mais j'aurais jamais cru. On savait même pas à quelle sortie métro on allait, descendre. On est descendu un peu au pif. On est descendu au pif. Et on mais il est juste derrière moi. Et en plus, enfin, truc de fou. Ils sont là. Attends. Tony. T'inquiète pas, ça va arriver. Putain, truc de malade quoi. Aïe. Ah, je me suis retenu, j'aime autant vous dire, je me suis retenu bien comme il faut. Ouais. Putain, je me suis retenu comme un fou. Putain, sinon là, il nous emmenait. Hein. T'as vu le fond que t'as sur la gueule, toi? Sérieux, tu l'as vu ou pas? Il est marron. C'est des UV. Il y a pas que ça là. Il y avait des marques, la dentiride autour des yeux. Il fallait qu'on t'en change. Et t'as vu qu'il y avait ces 2-3 potes autour qui venaient dire « Mais quoi, il est là, il est gentil, aïe !» Putain, je suis... Vraiment, à moi, faut que ça tombe sur moi, ça. Il y a des gilets jaunes, ça fait des mois qu'ils rêvent de le rencontrer pour lui parler. Et moi, je marche dans la rue, je lui tombe dessus. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Ça va tourner en boucle, ça. Bah moi, j'ai 2500 personnes, là. C'est un truc de fou, tu vois. Ça, voilà. On savait même pas où descendre. Pourquoi moi il me dit faut vous calmer? Il est fou lui. Pourquoi il me dit ça moi? Parce qu'on parlait fort, même moi. Mais je peux pas, je me suis retenu là. Fort, c'est je me suis retenu. En même temps, t'es excité quoi, depuis ça fait un an et demi qu'on lui court après ce que je lui ai dit. Il a pas répondu quand je lui ai dit c'est vous qui vous avez dit de venir vous chercher chez vous. Et hop, il a esquivé après. C'est une journée marquée d'une pierre blanche, moi je vous le dis. Hein. C'est une bonne journée, putain. Elle discute avec lui, hein. Non, mais le pire. Bon, j'espère qu'il... je lui ai demandé qu'il annule la brave. J'espère qu'il va entendre au moins ça, au moins ça. J'ai dit, monsieur Macron, sur ses idées ouvertes, il m'a dit quoi? Oui, je pense. Mais t'as vu, mais il est malin, t'as vu, il a le bas de goût, comment il parle et tout. Il a un bas de goût de dingue. Il fait trop le fou, lui. Il est bien cassé, il est bien cassé. On va se frapper des deux côtés. Putain.
Bon, on est à Paris. On va au champ. Bah, on continue à se diriger vers par là. Hein. Ah, j'y croyais pas du tout, ça. Puis j'en voulais pas. Je cache pas que. Putain. Voilà, les gars, bah écoutez, vous avez vécu un moment avec nous. Voilà, bah, c'est pour ceux qui ont raté ça, bah, je vous invite. Attends, bah, je vais répondre au téléphone, ça va couper le live, mais je reviens tout de suite, hein, restez là. Un grand moment. Ouais, et je peux te dire que les mecs là-dessus, on était en pleine mire, ça s'appelle. On va passer à la télé, quoi. Axel, veux-tu être fou, là où il y a Macron, il y a la télé, t'es malade, toi. Là où il y a Macron, il y a la télé, allons. Je te crois pas, putain. Je sais pas, justement, j'ai cherché la télé. Mais j'ai vu faire ça. Ah oui. Et moi, je suis pas sûr qu'il y avait la télé. Premier, puis. Ouais. Putain, je le crois même pas, toi. Putain, je le crois pas. Je me suis retenu, putain. Faut qu'on trouve un truc à boire. Non, tu ramènes tous les billots, on se règle les blagues, boulots, les anti. Ah bah là, il était mal. Hein. Il aurait tué. Là, il était mal parce que t'as vu, au niveau sécurité, il y avait pas grand monde autour quand même. Hein. 4. Ouais. 4, 5. Une brigade de privé là. Il aurait tabassé des pots. Là celle-là, il aurait tabassé la hyper un petit peu. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs je suis étonné qu'il n'y ait pas eu la police. Ouais ouais, c'est là qu'on va. Hein. Bon. Est-ce que ça passe encore le live? Vous pouvez me le confirmer les gars? Dites-moi juste si ça marche encore. Bah, bon, les gens sont abattés là, ça y est, bon ils... Voilà quoi. Mais... Ouais, ça se met déjà en place ou ça s'en va, mais bah de toute façon c'est par là. Hein. C'est par là. Hein. C'est pour fini. On va voir. Bah, là, tu vas. Là, regarde, t'arrives là, t'es place de la Concorde. La Concorde et le. Comment? L'Arc de Triomphe est plus loin là-bas. Ah voilà, les gars, bon, vous avez vu un peu ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. J'aurais jamais cru, vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça. Hein. Tu vois? J'aurais pu tomber sur n'importe qui, Castaner, j'en sais rien, Cachex, je sais pas lequel. On est tombé sur le mec. On est tombé sur ce boss, quoi. Tu vois, celui qui est là, qui fait que je suis à Paris aujourd'hui. Tu vois, j'aurais dû lui dire ça, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Tu vois, mais j'avais beaucoup de mal à. Vous tutoyez, pourquoi vous voyez? En tout cas, je l'ai appelé Manu, moi il m'a pas repris comme il avait repris le gamin il y a un an ou deux en arrière là. Il me suit par caméra et par téléphone. Là. Ah ouais, ils savent. Il était au téléphone, il me regardait. Ouais, ouais. Il était chez, mais personne n'acceptait là. Putain, regarde. Ah, si on peut se poser là. Ouais, c'était une drôle d'aventure là. Bien sûr qu'il. Bah écoute, Jojo, de toute façon, ce que je vais faire pour pas que ce live dure trop longtemps, je vais l'arrêter maintenant. Et si vous avez envie de le reprendre, vous allez voir ce qui s'est passé dans ce live là. Vous allez voir, je vous le laisse. Pour ceux qui auraient raté le début, je coupe ce live, je le fous sur mon mur, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le partager hein, si vous voulez. Et si vous avez raté le début, je vous invite vraiment à le regarder. Vous allez voir sur qui on est tombé. Vraiment, on s'y attendait pas. Vraiment, on est descendu du métro. On croyait que c'était un petit attroupement de gilets jaunes. Et c'était pas ça, c'était pas ça. Bah oui, bah oui. On commence à chanter. Lui qui a dû dire, oh putain, t'as passé la merde. Vraiment, on s'attendait pas du tout à ça. Vraiment. Ah, c'est vert les gars. Attention à vous les garçons. Donc je coupe ce live pour que voilà pour pas qu'il aille trop loin. Profitez-en, amusez-vous avec. Regardez encore si vous voulez. Partagez-le. C'était un truc de fou. Et on en reparle après et on va en reparler vraiment au calme parce que là je suis super énervé, vous pouvez comprendre. J'ai vraiment du mal à. Trop fort, celle-ci elle est trop forte. Ah, là. J'ai beaucoup. Je suis à 120 de tension. Le président, il savait plus quoi dire. Je me suis retenu, je vous le cache pas, mais on en parlera demain parce que la journée elle est pas finie là. Je coupe ce live, restez pas trop loin, il peut encore se passer plein de trucs, on sait pas. On va peut-être voir Dieu ou j'en sais rien, le Père Noël. Jupiter, on a vu Jupiter. Ouais, on a vu Jupiter quoi. Donc voilà, profitez-en, partagez-le, montrez ce qui s'est passé dans ce live là. Et on va se reparler dans pas longtemps. C'était une putain de journée de fumier de merde. Et ça, c'est message. Personnel pour celui qu'on vient de croiser là. Putain, je le crois pas. Allez, je vous embrasse, à tout à l'heure.